Salut à tous, c'est Rick Le Coach et Galago Musique. Aujourd'hui, on va faire ensemble de l'électro. Ouais, on va faire de la techno, plutôt même de la Dream House, avec le morceau Children, le super tube planétaire de Robert Miles sorti en 1995. Il avait à la base écrit ce morceau en se disant « Bon, les gens, quand ils quittent le club, ils sont très énervés, ils sont à moitié bourrés, ça va les calmer. » Je ne sais pas si ça a marché, mais le public a adoré cette pièce, et je trouve qu'elle passe super bien en mode piano solo. Et avant de démarrer l'explication, je tiens à signaler que cette partition fait partie d'un recueil qu'on est en train de mettre sur pied avec Quick Partition. Je suis donc très fier de vous présenter la couverture quasi définitive. Ah, ça a de la gueule, hein. La photo est signée Robin Piestiger. On a fait le shooting au New Note. C'est un bar à piano à Lyon 8, je vous conseille d'y aller. Et tout l'aspect graphique a été fait grâce au talentueux Michael Petit du site Petit à Petit, un graphiste de qualité. Voilà, donc on bosse à fond là-dessus en ce moment. Je vous en parlerai évidemment bien plus en détail dès que la publication se rapproche. En attendant, tout le monde au clavier, on va foutre le feu au dance floor. Comme d'hab, on repère où se trouve le repère aujourd'hui orange, un petit peu discret, c'est vrai. Qui vous désigne où se trouve le haut du milieu, c'est parfait. Et pour bien bosser, on va travailler main séparée. Alors, on va commencer par la main gauche sur les 8 premières mesures. Ça va donner ceci. Do sol, 4 temps. Ensuite, on descend ça 2 touches blanches à gauche. On va jouer la mi, avec le même doigté, 5 pouces. Et ensuite, mi si, encore en dessous. Ces deux notes-là, on les tiendra enfoncées pendant 2 mesures d'affilée. Donc si je compte, ça donnerait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on referait ça une deuxième fois d'affilée. Avec ça, vous avez les 8 premières mesures de main gauche. En ce qui concerne la pédale, ici dans ce morceau, on est vraiment dans un cas de figure où on a envie d'avoir beaucoup de résonance. Donc je vous invite à la changer toutes les 2 mesures. Je pense que ça ira très bien de ce style. 1, 2, 3, je reste enfoncé. J'attaque le mi-si, hop, je soulève, je change. Et je refais une deuxième fois pour la forme. Tchac tchac, 3, 4. Je reste enfoncé. Tchac tchac, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on verra ce qui se passe après. En ce qui concerne la main droite, voyons ce qui se passe sur ces 8 premières mesures, pareil. Sympa, non? Donc là, on joue véritablement sur les résonances, sur un système comme un écho. C'est-à-dire que toutes les notes, vous verrez sur la partage sur lesquelles il y a un accent, il faudra bien les faire ressortir. Toutes les autres qui suivent, on les fera vraiment décrescendo, à chaque fois en baissant le volume progressivement. Donc au départ, on démarre sur un mi ici. Il y a le do du milieu et là. J'attaque avec le 3 et je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. D'accord? Donc le premier mi est fort. Les 5 autres qui suivent sont progressivement de moins en moins forts jusqu'à l'arrivée du Sol, Fa dièse, Ré, 5, 4, 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Donc là, j'ai joué sur Si, Fa dièse, Si, Fa dièse, en croche. Je vous le refais depuis le début. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, 3, et 4, 1, 2, 3, 4. Ce coup-ci, c'est le si que je répète. Et puis, sol, fa dièse, sol, fa. Yes. Donc sur la première mesure, on a dit qu'on avait do, sol à la main gauche, puis la mi, puis mi, si, 2 mesures. On va essayer de faire déjà ça. Alors, les deux mains démarrent ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Encore ça un petit coup. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Suivi de 3, 4 et 1. D'accord, donc j'ai fait Sol, Fa dièse, Si. Le premier temps, je tape mon Do Sol, c'est le début de la mesure 5. Donc, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça, on va voir juste après ce qui se passe. Ok, je vous refais ce départ, soit les 8 premières mesures. Yeah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et 4, 1,
Alors j'ai fait quoi ici? À la fin de la huitième mesure, je balance un petit trait qui fait Mi, Fa dièse, Sol, Si, Mi. Et le Mi, c'est le premier temps de la mesure 9. Alors je reprends de la mesure 7, c'est quand on a le Mi, Si main gauche et Fa dièse au-dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 double 1. D'accord? Vraiment 4 doubles. Da, 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 da. Je tape mon Mi à la main droite et je vais jouer un Do à la main gauche. Alors ici, il faut voir ce que va faire la main gauche à ce moment-là. Donc mesure 9, ça va donner ça. Alors là, il y a des grands écarts. Alors, on va voir ça ensemble pas vite. Donc je fais Do, petit doigt, Sol avec le 2, Ré avec le pouce. Do, Sol, Ré. Sol, Do, ok, rythmiquement, c'est que des croches, avec une noire à la fin qui est liée. 1 et 2 et 3 et 4 et, que ça vous le bossez bien déjà. 1 et 2 et 3 et 4 et, ensuite. 1 et 2 et 3 et 4 et, ok, les deux mesures d'affilée. De deux mesures qui vont être pareilles, qui donnent Mi, Si, Fa dièse, Mi, Si, Fa dièse, et Mi, Si, Fa dièse, Mi, Si, Fa dièse. Cool. Ces quatre mesures-là. Et 3, 4. Et trop bien. Voyons ce qui se passe quand on ajoute la main droite. Alors ce passage, je vous joue un petit coup. On a envie d'avoir la suite, hein, mais non. Alors, je tape mon Mi, on sortait du... D'accord, donc mon Mi restera enfoncé pendant toute la mesure, même après. Comme mon pouce va jouer le La à la main gauche ici, je vais taper Sol à la main droite, suivi de Fa dièse Ré, puis le Mi, premier temps de la mesure d'après. Je reprends mesure 9. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je reste enfoncé. Et à la fin de la mesure, 1. Et ça, c'est le premier temps de la mesure 10. Non, mesure 13, pardon, le temps passe vite. Alors, ce passage-là, ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? À la main gauche, je vais jouer. Mesure 13, du coup. Do, Sol, Ré. Je tire bien le pouce. 1 et 2 et 3 et 4, suivi de La, Mi, Si et 3. Si, Mi, Si, Fa dièse, Mi, Si, Fa dièse, comme on avait déjà eu précédemment, pardon. Je n'arrive plus à parler. Ok. Donc, vous voyez, c'est toujours la même harmonie, hein. Finalement, on est toujours sur cette espèce de Do majeur, La mineur, Mi mineur. C'est toujours ça tout au long de la pièce, quasiment. À la main droite, on va trouver, donc ça précédait l'arrivée de la mesure 13, Do, Si, Do, Si, Sa, donc. Donc rythmiquement, 1, 2, et 3, et 4, et 1, et Fa dièse, et Sol, Si, Mi. Et on gardera ce Mi enfoncé, deux mesures. Et on sera arrivé à la fin de la partie A. Alors, mains ensemble, mesure 13 avec le pied truc qui précède, Do, Si, d'accord? Do, Si, Do, Si, Sol, encore ça. Do, Si, Do, Si, Sol, et Fa. Sol, Si, encore cette mesure 14, je joue le La, je joue le Mi, moi je joue le Mi, je joue Fa dièse à la main droite. Fa, Sol, Si, Mi. Et puis je termine avec mes deux mesures, une espèce de Mi mineur coloré avec une neuvième. Et voilà, c'est toute la partie A, je vous la rajoute depuis le début.
Et c'est terminé pour la partie A. Partie B, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, c'est une espèce de partie de transition un peu qui fait. On attaquera la partie A'. Alors à la main gauche, vous allez être content et contente, c'est toujours pareil. On va faire mi, si, mi, si. On joue de l'accroche, donc il en faudra 8 pour faire une mesure. Et ça va durer pendant 8 mesures complètes. Il n'y a qu'à la fin de la 8e mesure qu'on va faire un break. On enlèvera un petit peu avant. Donc la main gauche, 1 et 2 et 3 et 4. Deuxième mesure. En essayant de faire justement là-dedans plein de nuances pour que ce soit intéressant et que ça crée des seuils d'intensité comme ça. Donc je commence pas fort, piano. Je monte un petit peu plus, petit cran du dessus, je redescends, je repars là, je fais remonter, et là je fais vraiment un grand crescendo, 1, 2, 3, 4, voilà. Avec la main droite dans la mesure, donc mesure 17, on va faire sol, mi, sol, mi, sol, mesure 18, la, fa dièse, avec 4, 2, après si, sol, avec 5, 3, et je reviendrai sur la fa dièse. Ok, c'était les 4 premières mesures de la partie B. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Et là, c'est pareil, on peut appliquer, il faut appliquer la même chose au niveau des nuances, pas fort, piano au début. Un peu plus fort. Un peu moins fort. On verra ce qui se passe. Mains ensemble, elles jouent exactement pareil au niveau rythmique. 2, 3, 4. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Je descends. Ok. Après, on sait que la main gauche, elle fait toujours pareil. La main droite, ensuite, va donner ça. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Fa, sol, la, fa, la, fa, la. Sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si, la, si, la. Et après, c'est l'espèce d'arrivée de refrain que l'on sait. Donc, on reprend ensemble mesure 21. La main droite, elle se replace sur sol, mi. La main gauche fait toujours mi, si, ça, ça va. Donc, je vous dis les notes de la main droite. On va faire sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, fa, sol, la. D'accord ? Donc, il y a deux petites doubles croches à la fin de la mesure. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, fa, sol, la, fa dièse, la, fa dièse, la, fa dièse, la. Là, je vais refaire le coup des deux doubles avec sol, la, si. D'accord ? Donc, j'ai bien placé mon pouce sur le sol pour pouvoir ensuite remonter plus haut. Encore ça. Sol, 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 fa, sol, la, fa, la, fa, la, fa, la, sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si, sol, la, si, la, si, ré. Enfin, la, ré à la main droite. Ok ? Encore ça. Terminé, à la main droite, on va faire l'arrêt, si, l'arrêt, si, l'arrêt, et on va piquer. La main gauche fait toujours son même truc. Et on retrouvera le run. Ok. Je vous refais toute cette partie B. Avec les nuances. Un peu plus fort. Je redescends. Oh yeah! Et c'est terminé pour la partie B. Alors, la séquence qui fout le feu au dance floor, c'est la partie que j'ai appelée A'. C'est-à-dire, on va retrouver la même mélodie, mais avec un accompagnement un peu plus dense que j'ai élaboré à partir d'octaves comme ça qui vont se répéter de manière alternée. Je vous la joue, cette séquence de A'. Donc au niveau du texte à la main gauche, on va rester sur la même harmonie que tout à l'heure, sauf qu'on va plus faire Do Sol, on va juste prendre la fondamentale, donc Do. Et on va faire ça en octave alternée. Do, Do. On en
Mi 8, on est toujours sur de l'accroche. Hein. Donc Do du bas, petit doigt, pouce. 3 et 4. Après, je fais le même délire sur La, une tierce mineure en dessous. La, 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 La. Et après, j'ai pris la décision de vous jouer le Mi vraiment dans les basses. Grave, à la cave. Si vous n'avez pas assez de touches sur votre clavier, évidemment, vous prenez le Mi ici. Mais je trouve que ça file vraiment de la patate. Donc, si j'enchaîne les 4 premières mesures de cette partie à prime, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ça fait très disco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous savez faire la séquence de main gauche pour toute cette partie à prime. Après, on va juste répéter ça. Donc ça, vous le bossez à fond. Et vous le reprenez, etc., etc. À la main droite, on va retrouver le thème. Alors, on va juste démarrer par Sol, Mi. Alors, la main droite, elle va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. C'est comme le truc du début, sauf qu'on n'a pas les petits di. Je vous ai épargné, parce que ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, on a juste la mélodie pure. Donc, Sol, Mi, pendant 6 temps. Après, Sol, Fa dièse, Ré, je tiendrai mon Ré. Puis Sol, Fa, dièse, Si. En fait, c'était les notes qui étaient accentuées tout à l'heure. Et puis Sol, Fa, dièse, Sol. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sol, Fa, dièse, Ré. 2, 3, 4, 1, 2. Sol, Fa. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, et on recommencera en reprenant le même run que tout à l'heure. Mi, Fa, dièse, Sol, Si. Et Sol, Mi, et on refait tout pareil une deuxième fois. Alors, mains ensemble. Là, niveau nuance, on est déjà forté. Là, on ne va pas s'amuser à faire un crescendo. Là, on est dedans, on balance tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1. Je reviens en Do. 3, 4, 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est reparti. Vous avez vu ce dernier da-da-da, le petit run. Là, je fais Mi, Fa dièse sur le Mi basse et le Sol, Si sur le Mi du pouce main gauche. 1, 2, 3. Et je refais 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, et la fin, ça change un petit peu, puisque la mélodie change aussi. Donc, alors à la main droite, sur la fin de la mesure 36, on va trouver Do, Si, Do, premier temps de la mesure 37, Do, Si, Sol, après mesure 38, 1, et que, Fa dièse, Sol, Si, Mi. Et on rejoint la même séquence du A'. On rejoint exactement pareil. Cool! Alors, je vous refais toute cette partie A'. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. J'en refais. Mesure 35. Fin de la mélodie. Do, Si, Do, Si, Sol. Fa dièse, Sol, Si. 2, 3, 4. Et là, donc, on arrive normalement à mesure 40. Mesure 40, on continue. 1, 2, 3. Da-ba-da-ba-ba. Et comme il y a deux points, on recommencerait depuis la mesure 25, soit le début de la partie A'. Imaginons qu'on rejoue cette partie A', blablabla, bla, bla, j'avance, je me téléporte un peu plus loin à mesure 37. La deuxième fois, on ne jouera pas la mesure 40, on jouera la mesure 41 directement. 2, 3. Et on va attaquer la partie C. Ah.
Alors, la partie, c'est je vous la joue, elle est trop cool. Et ça redémarre encore. Alors, partie C, hyper fastoche pour la main gauche, c'est que du mi. Alors là, j'ai changé, histoire de varier pour pas faire entendre que du grave. Je joue mi-mi, mais une octave en dessous par rapport à tout à l'heure. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc la première fois de la partie C, ça dure 8 mesures. Donc on aura 8 mesures avec... À la main droite, on va trouver ça. Donc là, le sol, fa dièse, ré, si, c'est la fin de la mesure 41. Le premier temps de la mesure 42, quand la main gauche commence à faire ses mi, c'est quand on joue mi aussi à la main droite. Du coup, 1, 2, 3, 4. Okay. Ensuite, à la main droite, on va trouver. Alors, je me déplace, j'étais en 3 sur le mi, je vais mettre un 4 sur le ré et faire. Ré, la, ré, do, sol, do, si. Je vous le refais en comptant. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. C'est plein de syncopes comme ça, c'est chouette. On laisse durer et on fait pareil. Do, da, da, di, da. On retrouve le run de tout à l'heure. Mi, fa dièse, 2, 3. Pouce sur le sol, 2 sur le si. Et je retape mon mi. Et je referai. Ré, la, ré, do, si, sol, mi. Ah oui, ça change un peu, pardon. Ré, la, ré, do, si, sol, mi. Au niveau des doigtés, suggestion. Hein. Ré, 4, la, pouce. Ré, à nouveau, mais au petit doigt. Après, si. Sol avec le 2, ça tire un petit peu. Mais au moins, on n'a pas besoin de tourner la main. Voilà, c'est ça qui boucle la partie C. Mains ensemble, toute cette partie depuis la mesure 42. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Le petit run. 2, 3, 4. 2, 3, 4. J'arrive à la mesure 49. Je refais le run. Et je rejoue toute la partie C une deuxième fois. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mesure 46. Et là, attention. La deuxième fois, je ne vais pas rejouer la mesure 48, je vais tout de suite me téléporter de la mesure 47 à la mesure 50. Je rejoue la mesure 47. Et je vais faire ça. Et c'est reparti ensuite la partie A'. Alors, comment j'ai fait? Je suis toujours en train de faire mi-mi hein, à la main gauche. Et ça va de... Alors, je suis obligé de reprendre mesure 47. Ré. Si, sol, mi, fa dièse, sol, la, 2, 3, sol, la, si, ré, mi, mi, fa dièse, sol, si, clac. Et puis voilà, je vous rejoue ça, mesure 50-51, et le retour du A'. Maintenant, enchaînement délicat, je reprends à nouveau de mesure 47 vers 50. Et bam! Niveau des doigtés, là, dans la petite montée mesure 50, 2, 3, 4, après je mets le pouce sur le sol, sol, la, si, je remets le pouce sur le la, si, ré, et je remets le pouce sur le si. D'accord? Ta-ta-tin, 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 ba-ba-ba-bouvia! Yeah! Et donc, rendu à la fin de cette partie C, dès que vous avez fait le... On a dit qu'on reprenait tout le A'. Vous pouvez le faire tant de fois que vous voulez. Pour terminer la pièce, pour la fin de la partie A'. 1, 2, 3, 4. Voilà, je l'ai noté comme ça. C'est la toute dernière mesure du morceau. Je tape mi, mi, main gauche. Et je fais... petite appoggiature brève. Mi pouce, mi petit doigt. Et donc, mon petit doigt part quand ma main gauche fait mi-mi. Donc, le pouce part tout seul dans le vide.
Ça fait assez joli. Donc j'ai balancé ce Mimi à la fin de la mesure 39. C'est-à-dire, je ne joue pas 40. Je fais tout de suite la toute dernière mesure. Et c'est terminé ! Yes ! Je vais vous refaire une petite démo rapide de l'ensemble de la pièce. Comme ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour bosser. Let's go, partie A. 2, 3, 4. Au tempo, du coup, pour pas que ça dure des plombes. Ça. J'adore. Partie B. Je redescends. A prime. Mesure 40, suivi de la reprise. A prime à nouveau. Mesure 37. Ouais. Et là, je fais tout de suite la mesure 41. 1, 2, 3. Partie C. Mystère. Mesure 49. Je refais partie C. Mesure 50. Merde. C'était moche. Partie A'. On s'en fout, on est dans l'ambiance. Et ce coup-là, directement, je fais la fin. Mais j'aurais pu le jouer, rejouer la partie A' autant de fois que je veux. Du moment que les gens continuent à sauter devant vous, c'est bon signe. Eh bien, écoutez, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que le songbook vous plaît. En tout cas, c'était un plaisir de vous expliquer comment jouer ce morceau électro. Ça faisait très longtemps que je l'avais dans les doigts. Eh bien, enfin, je vous l'explique. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Jouez bien, bonne musique. Et je vous donne rendez-vous très bientôt au détour d'un prochain tuto. Portez-vous bien. Ciao.